au-dessus de la mort. Tu as vaincu la mort. Tu es ressuscité, tu es vivant. Et aujourd'hui, nous voulons tous ensemble chanter cette victoire que nous voulons prendre pour nos vies. Je suis dans la victoire. En Christ, je marche dans la victoire. Alléluia. Gloire à toi, Éternel. La victoire appartient à Jésus. La victoire sur toutes choses. Alléluia. Ne pourra
Alléluia. Amen. Trop, c'est trop. Le Saint-Esprit amène un tournant dans ton histoire de vie. Amen. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ce matin est le mien. Ce matin est le mien. Ma résurrection est ici. Ma résurrection est ici. Un changement est dans mon histoire. Et je le reçois ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Ok, asseyez-vous, prenez place. Nous allons écouter ce que Dieu veut nous dire. Merci beaucoup à toutes les choses que Dieu vous donne. Nous saluons ceux qui nous suivent. Do you have the translation? Yeah, but it's a bit low. The volume is a bit low. Ok. You can write to her, Eliane, she's on the... Ok. Yeah, I know, but it's a bit low. Okay. Yeah, yeah. Okay. Hello. Yeah. Hello. Alors, si jamais, if it's not okay, we will translate for you. My wife will come near you and she will translate to you. Yeah. Huh? Now just... it's good. Now it's good. It's good now? Yeah. Hallelujah! Yes, yes. C'est bon, dit-elle. Écoutez, les amis. Écoutez. Du haut des cieux, lorsque Jésus est venu dans le monde, il y a un ange qui est descendu et qui est allé dans les champs et il a dit, écoutez. Alléluia. Oui, écoutez. Alléluia. Aujourd'hui est né un petit enfant. Aujourd'hui est né un petit enfant. Et il a dit, vous le trouverez, voici le signe. Vous le trouverez, il est emballé dans une bougeoire, dans un endroit où les animaux mangent. Ce sera pour vous le signe que c'est lui. Amen. Amen. Il a dit, oh les hommes, oh les humains, écoutez ce message. Les gens étaient en train de faire quelque chose, ils étaient occupés à leurs activités, mais l'ange trouvait que cette information méritait d'être sue. Vous m'entendez? Amen.
Vous pouvez être occupé en cet instant. Les âmes sont occupées en ce moment. Et ce matin, il y a quelqu'un qui se tient sur cette plateforme et il dit, « Oh, j'ai une information importante pour vous. » L'ange de Dieu n'est pas descendu pour rien. Amen. Le ciel et la terre ne sont pas deux mondes définitivement déconnectés. C'est faux. Alléluia. Amen. L'ange dit exactement où se trouve l'enfant. Il sait où il se trouve. Il donne les indications pour qu'on reconnaisse l'enfant. Un ange sait où tu es. Amen. L'ange de Dieu sait où est ton adresse. Amen. Hier soir, nous étions en train d'écouter la prière avec le pasteur Aflokao. Et sur les écrans, il y avait un homme qui habitait Cotonou, le Bénin. Et le pasteur, il est ici en Europe. Il voit son visage et il dit, vous. Et il lui dit tout sur sa vie jusqu'à dire le numéro de son passeport. Le gars, il était effaré. Et il lui dit, voici ce que Dieu veut faire avec vous. Il lui dit, vous êtes dans tel domaine professionnel. Le gars reconnaît. Il dit, vous avez un projet de construction. Le gars reconnaît. Il dit, vous avez développé un logiciel. Mais on aura besoin de votre logiciel dans tel pays. Ça va être utile dans l'administration. Ça va être utile pour les étudiants. Ça va être utile dans tel domaine. Prenez votre avion et allez là-bas. Alléluia! Dieu sait où tu es. Dieu sait ce que tu te confrontes avec. Et Dieu sait quelle est la solution dont tu as besoin. Amen, amen. Si tu connaissais une adresse sur la terre, où tu sais que tu vas aujourd'hui, et on te dira exactement où est la réponse dont tu as besoin, iras-tu ou non? Lève ta main et dis-moi. Qui c'est qui irait? Mais bien sûr, chaque jour que vous avez mal au genou, vous avez mal ici, vous avez mal là, on n'a pas besoin de vous courir après, vous allez chez le médecin. N'est-ce pas? Ah ben oui, nous savons aller quelque part où il y a une réponse pour nous. Nous ne sommes pas fous. Alléluia. Nous ne sommes pas fous. Tous les humains cherchent là où se trouve la réponse. Et même lorsqu'ils sont dans un environnement et ça ne fonctionne pas comme ils veulent, ils entreprennent même un déménagement pour aller à un lieu où ils vivront mieux, où ils verront le bonheur, où ils verront le repos. Amen. Amen. Je suis ici pour vous dire qu'il y a un prophète parmi nous. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'un prophète? La Bible dit qu'on l'appelle même le voyant, mais pas comme ceux qu'on a aujourd'hui. Alléluia. Mais un voyant de la part de Dieu, quelqu'un qui voit au-delà des apparences. Amen. Amen. Quelqu'un qui non seulement voit, mais a la compassion de t'aider. Alléluia. De faire que ta situation change. De faire en sorte que tu passes d'une situation détruite à une situation restaurée. Ce matin, je viens t'annoncer Jésus. Il est né dans des circonstances improbables. Les hommes qui l'ont vu n'y ont pas fait attention. On dit qui nous a dit que voilà l'homme qui sauverait le monde? Qui aurait reconnu que ça c'est le bras de l'Éternel? Qui aurait su que voici celui qui est infiniment grand, qui s'est fait si petit et qui était au milieu de nous? Qui l'a reconnu? Qui a reconnu que Dieu s'est fait homme et a marché parmi nous? Qui? Sauf ceux qui ont eu la révélation. Un ange a marché et a crié à des hommes simples. Ils étaient dans les champs. C'est des hommes méprisés de tous les autres. Des gens que personne ne prend au sérieux. Mais Dieu les prend au sérieux. Amen. Amen. Alléluia. Ils avaient un métier originel. S'occuper des animaux. S'occuper des moutons.
Il prenait soin des agneaux. Il prenait soin des animaux. Il les sécurisait contre les lions. Il les sécurisait contre les renards. Il ne dormait pas. Il ne dormait pas dans leur lit. Ils étaient dans les champs. Ils étaient éveillés. Ils avaient le regard sur le bien-être de ces êtres faibles. Ils voulaient que ces êtres faibles soient protégés. Ils voulaient que ces êtres faibles soient gardés. Ils soignaient ces animaux. Dieu a eu son cœur touché. Amen. Quiconque vit sur la terre et qui essaie d'entretenir du bien, essaye de faire quelque chose de constructif, Dieu a son regard sur toi. Amen. Que tu sois né dans la maison d'un roi ou que tu sois né dans la maison de l'esclave, Dieu a remarqué ta vie. Amen. Tu n'es pas perdu. Tu es vu. Tu es vu. Dieu t'a vu et il a demandé à son ange, n'iras-tu pas parler à Pierre? N'iras-tu pas parler à Jean? N'iras-tu pas parler à Jacques? Je veux dire quelque chose. J'ai une nouvelle importante. J'ai une solution dans ma main. Et je la donnerai à qui je veux. Mais je donne cela à ceux qui ont le cœur humble. Je donne cela à ceux qui cherchent Dieu. La Bible dit que le regard de Dieu parcourt la terre. Mais quand Dieu voit un homme humble, quand il voit une femme humble, quand il voit quelqu'un qui est tout doux et qui recherche une solution du fond du cœur avec humilité, Dieu se révèle. Amen. Dieu va à sa rencontre. Dieu ne vient pas toujours avec le grand bruit. Dieu ne vient pas toujours avec des habits royaux. Dieu ne vient pas toujours avec une voiture étincelante, mais il reste grand et fort. Amen. Amen. Et il vient à chacun d'entre vous, tel que vous êtes. Tel que tu es, le Saint-Esprit vient à ta rencontre. Amen. Jésus vient à ta rencontre. Dieu veut que tu saches qu'il comprend ta situation, qu'il est proche de toi. Il est petit comme les petits. Il est moyen comme les jeunes et il est grand comme les adultes. Amen. Jésus a tout fait. Il a fait l'étape d'un bébé. Il a fait l'étape d'un petit garçon. On a vu la vie de Jésus à 12 ans. Il a fait l'étape d'un jeune homme. On a vu sa vie quand il était jeune. Il a fait toutes sortes d'étapes, Jésus. Il n'a pas manqué une seule étape. Alléluia. Et il a fait son adolescence jusqu'au bout. À partir de 30 ans, il était reconnu comme un homme. Alors il est allé, il se fait baptiser. Il est rentré dans l'eau. Alléluia. Dieu regardait ce petit enfant grandir. On dit l'enfant grandissait en sagesse et en intelligence devant Dieu et devant les hommes. Le regard de Dieu est sur toi. Amen. Quelqu'un ici dit-il, mon droit est perdu. Ma situation est oubliée. Ma cause n'a pas été défendue. Mon droit est éradié. Dieu dit non. Dis à la fille de Sion, ton droit n'est pas perdu. Ta situation n'est pas radiée. Je veille sur toi. J'ai mon œil sur toi. J'ai mon regard sur toi. Amen. Je vous parle ce matin d'un homme qui est le prémisse de Jésus. Cet homme s'appelle Isaac. Isaac est né dans une famille où on avait perdu l'espoir. Les parents d'Isaac n'avaient plus la confiance qu'ils allaient avoir cet enfant qu'ils espéraient tant avoir. Ils pensaient que c'était fini, que le jeu était hors sujet. Abraham avait maintenant pratiquement 8 ans, sa femme aussi, et les deux ont atteint la ménopause. Alors, ils ont dit à l'Éternel, oublions ce projet. Amen. Abraham a dit, Seigneur Dieu, laisse tomber cette affaire. Mais Dieu a dit à Abraham, assurément, l'année prochaine, ta femme aura un enfant. Amen. Assurément, à cette même époque de l'année prochaine, ton fils de l'État. Amen. Quand tu regardes ta vie et tu dis, mais elle est désespérée, je te dis une chose,
Abraham avait eu la même pensée. Alléluia. Pourtant, on parle de lui encore jusqu'à aujourd'hui. Alors ne dis pas ma cause est perdue. Ne dis pas mon nom est effacé. Ne dis pas mon histoire est perdue. Ne l'as-tu pas entendu? Ne te l'a-t-on pas raconté? Jehovah is on control. Dieu est au contrôle. Il est au contrôle. Il est l'alpha, l'oméga. Il est le présent, le passé et le futur. Rien n'échappe à Dieu. Je veux te dire, ne dis pas, mais à quoi puis-je mesurer la valeur de mon existence? Tu dis, je n'ai pas acheté un appartement comme les autres. Je n'ai pas acheté une voiture comme celui-là. Ma voiture n'est pas aussi brillante que la sienne, aussi chère que la sienne. Ah, je ne gagne pas un salaire aussi élevé que celui du voisin. Ah, mais je n'ai pas une chaussure aussi belle que celle de l'autre. Ah, mais je n'ai pas la veste la meilleure que celle de l'autre. Attends, je n'ai pas ceci que celui-là. Ah, laisse-moi te poser une question. Qu'arrive-t-il aux habits qu'on porte aux morts? Qu'arrive-t-il? Ils sont mangés par des termites. C'est pas vrai? Qu'arrive-t-il à leur corps? Mangé par des insectes, par des animaux, par des bêtes. Mais, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, la Bible dit que même mort, ils vivent. Même mort, ils vivent. Même mort, ils vivent. Mais ce n'est pas la même chose pour celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus. De quoi peut-on nous mépriser? Qu'est-ce qu'on élèverait devant toi pour te mépriser et que ton âme accepte? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu brilleras comme une étoile. Amen. Tu brilleras dans les lieux éternels. Amen. Tu es fait d'une gloire que personne n'a encore vue. Ce que tu vois ici, c'est charnel et c'est éphémère. Mais toi, tu es celui qui est à l'intérieur et tu as une destinée sans fin. Alléluia. Le monde s'accroche à des petites choses. Élève-toi un petit peu. Amen. Amen. Lève ta tête et regarde plus loin. La vie ne se résume pas à manger et boire. La vie est plus que cela. La vie, c'est l'éternité. Alléluia. Donc, je voulais vous parler de cet homme. Lisons l'histoire de son père, Abraham, dans le livre de Genèse, chapitre 12. Genèse, chapitre 12. La Bible dit qu'un jour, Dieu vient dans la maison d'un homme qui s'appelle Abraham. En ce moment, il n'était qu'un jeune homme parmi les autres. Il n'avait pas une espérance pour lui-même. Il n'avait pas une pensée importante pour sa propre vie. Dieu lui dit la chose suivante. Genèse chapitre 12, versets 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie et la maison de ton père. Et va dans le pays que je te montrerai. Le mot d'ordre qu'il reçut de l'Éternel, c'est mon fils, quitte la maison de ton père. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que quand l'homme sera grand, il quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, n'est-ce pas, et il construira une nouvelle famille. Voici le plan d'un homme mûr. Vous comprenez ça? Amen. À un moment donné, tu quittes le cocon. Amen? Alors, est-ce que cette parole a été reçue par Abraham facilement? Il habitait dans la maison de son père avec sa femme. Puisqu'on dit, il partit de là, il prit sa femme. Vous comprenez? Lisons la suite. Dieu dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai et je rendrai ton nom
grand. Et tu seras une source de bénédiction. Vous comprenez pourquoi j'ai envoyé ce test? Parce que c'est ainsi que tout est venu jusqu'à Jésus-Christ. Il dit, tu seras une source de bénédiction. C'est-à-dire, à partir de toi, je bénirai les nations de la terre. Amen. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était avec Abraham? Non. Il y avait Dieu et nous. Est-ce qu'on a écrit ça dans les journaux publics? Non, sauf dans la Bible. Sauf dans la main d'Abraham et dans l'esprit de Jésus-Christ. La chose était-elle faite avec haute parole? Non. C'était lui, Abraham, qui était là dans la présence de Dieu et Dieu lui parle. Ça peut se passer tranquillement maintenant pour Dieu. Est-ce que tu m'entends? Une chose qui va avoir une portée éternelle, qui va changer des vies, qui va donner le salut à tes enfants et tes petits-enfants, est en train de se passer dans le calme maintenant. Amen. Ne te laisse distraire par personne. Cette affaire te concerne toi et Dieu. Dieu nous parle et dit, mais pour que ces choses arrivent, tu dois quitter une situation. Pour entrer dans une autre, il faut quitter une situation précédente. Amen. Et on nous dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai, c'est-à-dire que je combattrai ceux qui te combattront. Et maintenant, dit le Seigneur, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Wow. Verset suivant, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait depuis Charan. Et il partit pour aller dans le pays de Canaan, et il arrivait au pays de Canaan. Amen. Ce matin, je suis ici pour te dire que Dieu veut déplacer ta situation. Amen. Alléluia. Amen. Dieu envoie un ange pour annoncer Jésus. Il vient lui-même pour annoncer quelque chose à Abraham et cette chose va changer la vie d'Abraham. Ça va amener Abraham dans une destinée glorieuse. Je suis ici pour te dire quelque chose. Si tu entends cette parole, ça va changer ton histoire de vie. Amen. Abraham avait une vie, mais ça ne lui suffisait pas. Alléluia. Il avait des serviteurs. Il avait des choses avec lui. Mais Abraham cherchait l'éternité. Amen. Abraham cherchait les choses célestes. Il avait dans sa compréhension la vie éternelle en vue. Amen. Et quand il a entendu la voix de Dieu, Dieu lui fit une promesse. Je ferai de toi un grand homme. Amen. Amen. C'est son but. C'est ce qu'il désire être. Je ferai de toi une nation. Et en toi, les autres seront bénis. Dieu dit, grâce à toi, de tes entrailles, de ton âme, de ton cœur, pas seulement de physique, mais de ton esprit, sortira des fils et des filles dans toutes les nations du monde entier. Abraham crut à cela. Il désira cela. Il souhaita cela. Il veut une vie plus grande que celle qu'il a. Il veut une vie plus glorieuse que celle qu'il a. Il ne regarde pas la quantité des choses, mais à leur qualité. Amen. Et Dieu va répondre à sa demande. Amen. Ce matin, je suis ici pour te dire que Dieu répond par Jésus-Christ à cette demande aujourd'hui. Cette prière d'Abraham, cette promesse de Dieu s'accomplit en Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est donc devenu le fils qui a ouvert la voie à tous les humains de devenir les fils et les filles d'Abraham. Abraham n'avait pas les Juifs, n'avait pas les Français, n'avait pas les Grecs, n'avait pas les Africains, mais Dieu le lui a donné. Amen. Amen. J'ai aussi une autre nouvelle pour toi. Tu ne peux
par Dieu son père lui-même. Amen. Dieu dit à Abraham, tu seras père d'une multitude. Tu deviendras l'engendreur d'une génération grande et large. Je ferai de toi le père de Emmanuel, le père de Salomon, le père de Anna, le père de Marie-Claude, le père de Brigitte, le père de Jacques. Je te donnerai des enfants, des fils et des filles. Amen. Dieu ne connaît pas quelqu'un parce qu'il est tombé du ciel sur la terre, à part Adam. Et même Adam n'est pas tombé du ciel sur la terre, il a été fait. Amen. Mais depuis ce jour-là, Dieu vous connaît parce que vous êtes né de quelqu'un. Amen. Maintenant, sur le plan spirituel, vous êtes vivant, vous êtes né seulement si vous êtes dans la lignée de la bénédiction d'Abraham. Amen. Et Abraham nous a tendu cette bénédiction au travers de Jésus. Et alors, vous dites, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la mort et la résurrection? Dieu va dire à Abraham dans le livre de Genèse chapitre 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Il lui dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes tant, qui s'appelle Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste à l'Éternel. Abraham se leva de bon matin et alla, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils, et il y alla. Amen. Ok. Je vais aller un peu plus vite. On dit, verset 5, et Abraham dit à son serviteur, reste ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là-haut pour adorer, et nous reviendrons après. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, lui dit, mon père. Et il répondit, mon fils, me voici. Et il dit, voici le feu et voici le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Amen. Amen. Dieu mit Abraham dans une situation difficile. Il lui dit, pour que nous puissions atteindre la grâce de Dieu, il nous faut l'agneau que nous devons immoler. Nous avons déjà le feu, nous avons le bois. Mais où est l'agneau? Amen. Ce matin, toi et moi, nous sommes ici. Nous sommes le feu, nous sommes le bois. Mais où est l'agneau? Amen. L'agneau immolé de Dieu. Amen. 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 Ici, Abraham lui dit, Dieu, vous connaissez pas? Dieu pourvoira. Amen. Amen. Dieu va se pourvoir le sacrifice éternel dont il a besoin. Amen. Il dit, je fais ma part, Dieu fait sa part. Amen. Ce matin, tu viens comme le bois, tu viens comme le feu. Amen. Tu fais ta part, Dieu fait la sienne. Abraham dit, chacun a son boulot. Il dit à son fils, Dieu pourvoira. Nous connaissons la fin de l'histoire. Lorsque Abraham voulut mettre son fils sur l'autel, Dieu lui dit, Abraham, ne fais pas. Amen. Amen. Je le fais, moi. Alléluia. Amen. Ne fais pas jusqu'à ce niveau-là. C'est toi. Après là, c'est moi. Jusqu'ici, c'est toi. À partir de là, c'est moi. Jusqu'au temps de la louange, c'est toi. À partir de maintenant, c'est moi. Jusqu'à cette prière, c'est toi. À partir de là, c'est moi. La réponse, c'est moi. La provision, c'est moi. Amen. Toi, tu amènes le bois. Toi, tu amènes le feu. Moi, je donne le sacrifice. L'homme qui a fait confiance à Dieu n'a pas été confus. Abraham n'a pas dû pleurer le deuil de son fils. Dieu n'est pas un méchant.
Dieu est un Dieu bon. Amen. Dieu voulait qu'Abraham comprenne les choses spirituelles. Abraham, Abraham, j'ai vu ton cœur, j'ai vu ton amour. Mais moi, je ne me mets pas en feu. Amen. Dieu, au travers de Jésus-Christ, est venu maintenant accomplir ce sacrifice. Il s'est mis lui-même dans le sacrifice à la place d'Abraham, à la place d'Isaac. Il a dit, c'est moi qui paye le prix. Il y a un prix à payer à cause du péché de l'humanité. Les hommes ont péché contre Dieu et ne peuvent pas devenir les fils et filles de Dieu comme ça. Mais Dieu a dit, je vais payer moi-même le prix. Je vais payer le prix du sacrifice qui doit être fait pour votre salut. Vous savez que Dieu est descendu dans le feu? Vous n'avez jamais lu dans le livre de Rois, lorsque le Seigneur Jésus, la Bible dit, quelqu'un est descendu dans le feu. Il y avait trois jeunes hommes qu'on avait mis dans le feu pour les brûler. Et le roi dit, mais c'est bizarre, j'y vois quatre. Amen. Amen. Le quatrième, c'est l'agneau de Dieu. Amen. Alléluia. Il est venu prendre leur place dans le feu. Amen. Dieu vient offrir sa propre vie en sacrifice pour toi. Il n'y a plus de peur, plus de crainte. L'amour a été montré. Abraham est passé devant. Il a dit, Dieu, nous t'aimons. Et Dieu a dit, j'ai vu votre amour. Maintenant, je pourvois. Je pourvois à l'aise, à la résolution définitive du problème. Satan ne peut plus vous réclamer. J'ai donné ce qu'il faut. Vous avez montré votre amour. Vous avez amené le feu. Vous avez amené le bois. Je pourvois le sacrifice. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais que tu puisses te lever sur tes deux pieds. Dis-moi, Seigneur, j'apporte le pied. Amen. C'est ta part, ça. Alléluia. J'apporte le bois. Isaac est venu avec son bois. Amen. Le Père est venu avec le feu. Le feu, c'est le Saint-Esprit en toi. Amen. C'est ton amour pour Dieu. C'est ta flamme pour lui. C'est ta détermination pour lui. Tu dis, oh Seigneur, je suis amoureux de toi. J'ai une flamme pour toi. Il dit, c'est bon. Alléluia. Il dit, je suis prêt, Seigneur Jésus-Christ, à te servir. Je suis prêt à payer un prix. Dieu dit, c'est bon, mais c'est moi qui paye le prix suprême. Je donne ma vie pour vous. Jésus-Christ est mort pour eux. Abraham est devenu père de multitude. Et toi aussi, tu peux devenir l'enfant d'Abraham. Vous savez ce que Jésus a dit lorsqu'on lui a dit de laisser tomber Zachée? Il a dit, ne laissez pas un seul enfant d'Abraham. Celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Je suis venu pour racheter les enfants perdus de la maison d'Israël. Et si tu te sens dans la maison d'Israël ce matin, Dieu va te faire du bien. Amen. Abraham est un bon papa. Si tu deviens fils d'Abraham, tu auras la bénédiction d'Abraham. Il est écrit, je bénirai celui qui bénira Abraham et je combattrai celui qui combattra Abraham. Amen. Comment est-ce que tu reçois la bénédiction d'Abraham? C'est que tu dis, oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Sois aussi mon Dieu. Amen. Tu as vu la grâce que c'est Abraham et tu célèbres cette grâce. Tu dis, oh Dieu, tu es le Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lequel a eu finalement un autre fils qui s'appelle Jésus. Alléluia. Je t'aime. Si tu aimes Jésus, tiens-toi debout sur tes pieds. Le sacrifice est fait. Nous savons que Jésus est mort, il est ressuscité. Je ne voulais pas vous répéter ce que vous savez, mais je voulais vous dire l'essence des choses. Amen. Abraham a trouvé le fils qu'il attendait. Dieu a répondu à son cri. Voici le fils, voici le fils, voici le fils que tu attendais. Jésus a dit lui-même, il a dit, Abraham a vu mon jour et il s'en est réjoui. Vous savez cela? Abraham attendait le Fils suprême. Il a eu un fils et il a dit, Seigneur, tu n'as donc pas voulu mon fils, le sacrifice suprême. Donne-moi la réponse. Et Dieu a dit, attends. Même Abraham attendait d'entrer dans le paradis définitif. Il attendait dans la cour extérieure. Il attendait l'occasion d'entrer dans le palais. Et il fallait que le fils paraisse et paye le prix. Maintenant, c'est fait. Abraham peut entrer dans la maison. Alléluia. Jésus a dit, Abraham a vu mon jour et il s'en est réjoui.
Maintenant, vous aussi, vous avez vu le jour de Jésus-Christ, vous pouvez avoir la joie. Votre âme peut être dans la joie. Votre esprit peut être dans la joie. Votre cœur peut être dans la joie. Votre âme peut être dans la joie. La joie du Seigneur est proche de vous. J'aimerais inviter l'équipe de louanges, ceux qui jouent les bannières, de vous tenir ici dans la maison de Dieu. Quelque chose est sur le point de t'arriver. Quelque chose s'est passé et maintenant je sais, il m'a touché, je suis